Un vêtement blanc, il n'a pas d'or. Un bon palais, il est couronné. Là-haut, les sauvés donnés à Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé. Au psaume 50. Au psaume 50, nous allons parler de Dieu. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Il y vient notre Dieu et il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblement, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu. Ton Dieu, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qui l'enferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Je veux être comme Jésus, je veux. Comme Jésus, oui, tout au long du voyage de ma vie, terré à la gloire, je demande c'est moi, être comme, comme Jésus, aimé. Comme Jésus, oui, tout au long du voyage de ma vie, terré à la gloire, je demande c'est à aimer comme vivre comme Jésus, vivre comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Vivre comme lui. Nous sommes heureux, Père, d'être dans ta maison encore ce soir. Nous réjouissons de pouvoir chanter des chants de Sion pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. C'est aussi la joie de notre cœur.
la consolation de nos âmes, mon bien-aimé Père Tibissant, lorsque nos cœurs s'ouvrent à toi et nous nous sentons tellement libres et légers, Seigneur, parce que tu as effacé nos transgressions, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci parce que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait nous a vraiment déchiré, Seigneur. Nous nous sentons bien dans ta présence, mon roi, et c'est pourquoi nous sommes heureux de t'exprimer encore ce que notre cœur ressent à ton sujet, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Le plus glorieux, c'est toi. Le merveilleux, c'est toi. Le juste, c'est toi. Merveilleux est ton Saint-Nom. Tu es juste, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ton honneur, pour la grandeur de ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dans les cieux et sur la terre, ton nom, Père Tout-Puissant, est invoqué, Seigneur, parce que tu es réellement le Créateur. Tu domines sur toutes choses, mon roi. La nature tout entière t'est soumise, mon roi. Nous te disons merci, mon Sauveur. Ton nom est élevé, Seigneur. Ta grandeur dépasse même la conception de l'homme, mon roi. Tu es le Dieu qui a créé les anges, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui a créé le vent, Seigneur, oh Dieu. Le soleil même te loue, mon roi. Loué soit ton Saint-Nom, mon Père Saint-Dieu. Que ton nom soit célébré encore en ce jour dans le cœur de tes cela, tes élus à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui as fait de nous et qui fait de nous ce que nous sommes, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est toi qui vas aussi achever ton œuvre dans chacun de nous, mon Sauveur. C'est pour ça que nous sommes heureux, Seigneur, oh Dieu, de savoir que tu vis, Seigneur, oh Dieu. Et nous ressentons ta main puissante, glorieuse aussi dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment transformés, Seigneur Jésus, de jour en jour, mon roi. Les progrès, Père Tout-Puissant, tu nous aimes, qu'on l'aggrave à les faire encore, Père Tout-Puissant, Dieu, dans notre vie, mon Sauveur. Oui, tu es le moi. Tu es vraiment le seul qui peut encore changer notre vie, Seigneur. Sois béni encore pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci encore pour les psaumes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu as fait, Seigneur. Béni mon précieux frère Zachée, Seigneur. Soutiens, fortifie encore davantage, mon roi. Tiens-les par ta main, Seigneur. Il a besoin de toi. Mon âme t'exalte encore ce matin, ce soir, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit. Et c'est aussi qui sont en connexion, Père Tout-Puissant, qui sont aussi loin, Père Saint-Dieu. Et ce peuple que tu attires, mon roi, dont nous sommes touchés par leur témoignage au jour le jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, mon Sauveur béni, parce que tu es vraiment le Dieu qui agit encore, mon roi. Nous sommes consolés quand nous pouvons te voir à l'air, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes consolés quand nous pouvons voir nos frères et soeurs, Père Tout-Puissant-Dieu, avec l'empressement dans leur cœur, mon bien-aimé Père, pour vraiment te servir encore davantage, mon roi. Merci du fin fond de notre cœur, mon roi. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. À toi donc la loi, la gloire, bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu. La louange aussi te revient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tout ce qui est à toi te revient, Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Créé pour toi, pour te servir, mon roi, et pour vivre comme toi tu le veux, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui ôte les doutes dans chacun de nos pères, oh Dieu. Nous accorde réellement la foi, ce que nous demandons, Père Saint-Dieu. Sois béni, mon Père Saint-Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est bon de louer notre Dieu. Il est bon de célébrer son nom. Que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. À lui donc soit la gloire, l'honneur et tout ce qui lui revient, parce que c'est celui qui a été donc trouvé digne de pouvoir réellement nous racheter, ce qu'il a fait en versant son sang pour que nous puissions obtenir effectivement cette rédemption que nous avions tellement si besoin. Notre Dieu est bon et sa bonté dure toujours. Il prend soin de nous, il veille sur nous, il s'occupe de chacun de nous, et cela dans tout le moindre détail. C'est pour ça, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nos cœurs se lèvent vers lui pour lui dire constamment merci. Merci Seigneur de ce que mes yeux ont pu voir encore un jour nouveau et que j'ai la grâce de pouvoir aussi voir mes frères et sœurs aussi et d'être dans ta maison, comme tu l'as dit, que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est à cela que nous tendons effectivement, à ce que Dieu soit avec nous, comme notre précieux frère l'a lu effectivement dans le psaume 50, où Dieu lui-même dit « Rassemblez-moi mes fidèles ». C'est toujours ces rassemblements-là que Dieu cherche pour ceux qui sont donc absolument à lui. Il ne les mélange pas avec les autres. Oui, parce qu'il faut vraiment que ce soit lui-même qui fasse le tri et qui sépare effectivement comme il l'a fait avec
la nuit et les jours, effectivement, si le soleil et la lumière et les ténèbres, il a fait cela pour marquer effectivement aussi la différence. Il nous démontre qu'effectivement que ce n'est pas un Dieu de mélange. Parce que ce que Dieu cherche, effectivement, c'est vraiment la qualité, la semence véritable et pure. Et c'est à cela qu'il cherche en réalité, parce que c'est lui-même qui l'a dit aussi dans sa parole, que chaque semence produise effectivement selon donc son espèce. Il nous a donné la grâce de pouvoir réellement aussi vivre pour lui, et surtout aussi comme nous ne cessons de pouvoir le répéter dans ce temps dans lequel nous vivons, dans l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge le plus terrible en fait. Parce que les choses qui vont se passer dans cet âge, qui commencent déjà à se passer, ils n'ont pas encore atteint, effectivement, aussi leur summum, effectivement, donc le culminant ainsi. Mais ce sera des choses tellement difficiles et terribles, effectivement, et qui ont à faire, effectivement, aussi avec le cœur, l'âme et l'esprit, effectivement, le corps tout entier, en fait, l'être de l'être humain entier. C'est pour ça que la parole de Dieu, on fait savoir comme le Seigneur Jésus l'a dit quand on lui a posé la question de savoir que, quel est le plus grand don de tout le commandement ainsi. Vous le souvenez bien, il a dit, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Seigneur est seul et unique Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. En fait. Il faut qu'on arrive effectivement à ce que tout ce que nous sommes, effectivement, soit soumis et totalement et profondément à notre Seigneur. Si quelque chose ne lui est pas donc soumis, nous ne pourrons jamais avoir la victoire. C'est pour ça que les Saintes Écritures aussi nous montrent déjà les choses que nous devons bien comprendre, cela aussi pour que nous puissions comprendre un rapport avec la victoire dont Dieu nous a eu à pouvoir aussi annoncer, proclamer aussi. Pour cela, c'est lorsque nous venons au Seigneur de tout notre cœur, vous remarquerez très bien que tout celui qui est vraiment croyant, qu'il a reçu de tout son cœur, il y a toujours cet empressement dans le cœur de pouvoir être baptisé en son nom. Vous comprenez donc, la Bible nous fait savoir qu'effectivement, que ça veut dire que nous sommes donc ensevelis avec lui. C'est-à-dire que totalement et complètement, nous sommes morts. Et si cela n'est pas ainsi, nous ne pourrons pas avoir la victoire. C'est important que nous le sachions, frères et sœurs. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de nous, effectivement, c'est ce qui est, nous puissions être morts complètement. C'est comme la semence, effectivement, que nous connaissons. Les différences de semences, vous le savez, mais nous prenons souvent cette semence de blé ou cette semence de maïs, parce que la Bible en parle effectivement, mais maïs est tellement connu par tout le monde. Lorsque vous la prenez, en fait, cette semence, parce que la nature même nous montre, en fait, les choses. Vous la prenez, vous la mettez, effectivement, dans la terre, évidemment, il faut qu'il y ait ce processus, en fait, de destruction. C'est-à-dire que le processus de pourrissement, en fait, dont la semence doit pourrir, en fait. C'est-à-dire que complètement, en fait, mourir. Donc, les grains de maïs doivent complètement mourir pour donner une vie, en fait. Si elle ne meurt pas, elle ne pourra pas donner une vie. Parce que le germe de vie se trouve donc à l'intérieur. Pour laisser, donc, partir cette vie-là, il faut que la première-là puisse complètement disparaître. C'est pour ça qu'il dit que si les grains de blé ne meurent, on ne pourra pas tenir aussi. Donc si nous-mêmes n'avons pas accepté de pouvoir mourir, en fait, ben, nous serons toujours des croyants limitrophes. Et la défaite, effectivement, ben, nous aurons quand même la défaite. Parce que je pense que nous souvenons, effectivement, nous avons eu à pouvoir entendre, effectivement, un rapport avec la marque de la bête. Souvent, nous venez, vous n'oubliez pas. Il s'agissait, effectivement, de la bête. Je ne sais pas si vous pouvez encore vous souvenir. Vous remarquerez très bien que dans les Saintes Écritures, je pense que dans l'Apocalypse chapitre 14, nous avons lu ensemble avec vous, c'est déjà quelque temps, effectivement,
Il était donc stipulé que c'est lui qui reçoit la marque de la bête. Et son nom, effectivement, ainsi de suite, effectivement, ben, il va arriver à pouvoir avoir tout ce qui découle, effectivement, et châtiment, et que bon, sera dans le feu, comme la Bible le fait savoir en réalité aussi. Pourquoi est-ce que je vous dis cela aussi? Parce que je ne sais pas tellement très bien si vous avez aussi prêté attention dans les Saintes Écritures. D'abord, vous et moi, nous avons pu voir qu'est-ce que c'est qu'en fait la bête en question. Et si nous avons bien prêté attention, nous avons remarqué que depuis Daniel, c'était pas seulement dans la Nouvelle Alliance qu'on a montré cela. C'est pour que vous puissiez bien comprendre. C'est depuis Daniel que nous a parlé de ça. Daniel a pu voir cela, effectivement, aussi, comme les quatre grandes bêtes qui sortaient de la mer, effectivement, aussi. Et quand nous sommes allés dans l'Apocalypse, effectivement, nous avons vu que le Seigneur lui-même, maintenant, est venu montrer à Jean, effectivement, ce qu'il en est. Toujours la bête. Si vous vous souvenez très bien, lorsque Marie a pu mettre au monde, effectivement, son enfant. Il s'est passé quelque chose, effectivement. Le trouble a commencé, effectivement. On a commencé à chasser, parce que lorsque les mages donc, sont arrivés, et les voyageurs, effectivement, cela, on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça déclarait déjà la guerre, en fait. Alors, troublé dans Jérusalem, effectivement, on a commencé à poser des rois, mais cherchez pour savoir où c'est que les Écritures vont vous souvenir. On a cherché. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers, dit, ah, c'est un Bethléem. Oh, vous savez que Marie était donc tombée enceinte en Galilée. Vous vous souvenez? Comme nous l'avons aussi à pouvoir le voir, que comme elle était aussi presque à terme, elle ne pouvait pas aller autre part. En fait, il n'avait qu'à rester en Galilée pour pouvoir accoucher dans bonnes conditions. Vous vous souvenez? Mais Dieu qui voulait que ça ne soit pas en Galilée, il avait déjà dit à Bethléem. C'est pour ça qu'il y a eu ce recensement, effectivement, aussi. Dans d'Auguste, effectivement. Vous vous souvenez? Et vous comprenez aussi que l'empereur, en fait, oui, c'était le gouverneur, effectivement, de cette contrée-là, s'appelait du nom de Ponce Pilate. Vous vous souvenez? Alors, Ponce Pilate n'était pas un juif. Ponce Pilate était un romain. Donc, c'était Rome, donc, qui dirigeait, effectivement, cette contrée-là. Qui avait donc cette domination dans cela. Et c'était toujours, effectivement, sous cette domination, ce règne, effectivement, que quand il est né, que la décision était maintenant qu'il faut tuer tous les enfants, parce qu'on cherchait à pouvoir les détruire. Vous vous souvenez quand même, quand nous avons pu voir, quand même dans les Saintes Écritures, effectivement, que les dragons, vous vous souvenez? Toujours avec la femme, vous vous souvenez? Les dragons, donc, effectivement, comme vous savez, tout le monde a dit que c'est le diable, les serpents anciens, n'est-ce pas? Et vous voyez les couleurs, effectivement, dans lesquelles ils pouvaient se trouver aussi, en fait, et tout ça. Et quand nous avons regardé avec vous, effectivement, tout, mais depuis quand même, Daniel, effectivement, aussi, nous avons vu ce problème avec la petite corne, vous vous souvenez? Comme c'est un pouvoir, en fait. C'est comme on savait que ça montrait cela. Et puis on a compris qu'effectivement, que tout s'est concentré, effectivement, et qu'on a pu voir donc, la nature de cela. Et maintenant, nous avons pu voir avec vous que, eh ben, quand on parle de la bête, c'est que c'est le quatrième royaume, donc c'est bien le dernier qui existe. Vous vous souvenez?
Eh bien, on se réfère toujours aux Romains. C'est l'Empire romain. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, ce que nous voyons qu'on nous a, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a identifié notre adversaire. Vous vous souvenez, vous voyez les tableaux. Donc il faut que vous puissiez voir qui est notre adversaire. C'est les diables, mais ils se cachent sous des institutions. Donc, maintenant, toi et moi, qui est-ce que nous devons vaincre? Parce que la Bible dit, et c'est le Seigneur qui le dit, « Ah, c'est lui qui... » Maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce que nous devons vaincre? Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est important que nous prenons les choses de notre Seigneur au sérieux et que nous nous prenons aussi au sérieux. Parce que nous sommes dans un combat. Oui. Vous n'allez pas voir le diable se dresser comme ça, debout devant vous, avec une queue, avec une fourche comme ça. On dit, je suis le diable, je vous attaque, vous les croyants. Ainsi, je vais vous montrer ceci. Vous dites, oh, voici le diable. Non. Il est plus malin que vous pouvez l'imaginer. Il se faufile dans les systèmes de ce que vous vivez aujourd'hui. Nous avons à combattre, mon frère et ma soeur. Et pour combattre, pour avoir la victoire, il faut avoir les armes nécessaires. Voilà. Et c'est, nous pouvons lire aussi dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens au chapitre 6. Vous vous souvenez? Nous pouvons les lire? Merci. Éphésiens au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10, il dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. N'est-ce pas? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de... Vous comprenez donc? Parce que il est tellement rusé, mon frère et ma soeur. Toi, tu ne peux pas le voir. C'est comme un policier qui vient en civil. Qui s'habille en civil, il est parmi la foule, parmi vous tous, effectivement, vous ne pouvez pas savoir que c'est un policier. Mais il vient pour pouvoir vous inspecter, pour pouvoir vous surveiller. Donc, il est en civil. Voilà. C'est ça la tactique de l'ennemi. Il est tellement rusé. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions vraiment être réveillés. Et que c'est important, mon frère et ma soeur, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas morts, il nous sera vraiment très difficile de pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi. Parce que la chose aussi qu'il va utiliser, vous me suivez, frère et soeur, la chose aussi qu'il aime bien utiliser, c'est votre moi. Il est tellement rusé. C'est aussi indiqué. Il se faufile dans beaucoup de choses, effectivement. Il se cache dans beaucoup de choses. Donc, il va, ça, dans votre moi, là. Et c'est là la chose aussi difficile. Votre personnalité, le moi, les je suis. Donc, on trouve, effectivement, mais ça fait partie de moi. C'est cela la difficulté, en fait. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de pouvoir mourir. C'est-à-dire qu'on arrive à un point tel que le Seigneur dit dans sa parole, dit, si quelqu'un aime sa femme, son mari, ses enfants et tout ce qui est à lui, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors, on se pose bien la question, si on est sincère, en tant qu'humain tel que nous sommes, c'est très difficile. «
Et pour y arriver, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Parce que les sentiments de l'homme ont ressurgi toujours dans une circonstance, effectivement, dans un problème. Tes sentiments à toi ressurgissent quand même. C'est toujours ta défaite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire tout pour faire mourir les œuvres de la chair. C'est notre combat. C'est-à-dire qu'on arrive à un point tel que l'homme lui-même, maintenant, c'est ce qui devient beaucoup plus important pour lui. Ce n'est plus lui-même. C'est quelque chose d'autre. Vous voyez que ce n'est pas facile. Il faut qu'on soit sincère. C'est là que le diable a les dessus. Le notre moi, en fait. Notre propre. C'est pour ça qu'il dit, mais que ne réglez pas votre bonheur, prégagez les intérêts des autres. C'est là que les seigneurs, c'est notre force, en fait. Savoir s'oublier soi-même. Mais considérer l'autre, ça c'est difficile. C'est notre faiblesse, c'est là que le diable aussi nous tient, mon frère et ma soeur. Si nous arrivons à ce point-là, il aura toujours la défaite. Alors, il nous dit ici, il dit, car, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit que si nous mettons toujours la chair et le sang en, fait, en action, effectivement, dans cela, eh ben, nous allons toujours avoir la défaite, ce que nous avons dit tout à l'heure. Hein. Nous avons toujours la défaite, effectivement. C'est-à-dire que la chair et le sang, c'est notre moi. C'est ce que nous sommes. Alors, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, si tu n'as pas à lutter, tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais comment peux-tu arriver à vaincre quelque chose, toi étant donc dans la chair? Parce que c'est à quoi je combats. Ça n'a pas la chair et les sangs. Je suis dans la chair et les sangs. Vous voyez que il nous faut beaucoup. Pas simplement ce que nous disons, notre bouche, notre complaisance à nous. Non, ça c'est, ce n'est pas ça qui nous amènerait dans la victoire. C'est la Bible qui dit, qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'il faut arriver à cet moment que tu ne puisses pas te dire, moi je suis, moi aussi, mais que l'autre qui dit, en tout cas, cette sœur-là, ce frère-là. Bon, nous continuons rapidement. Il dit, dans l'audit. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Donc, vous voyez votre combat, vous? Voilà. Ce sont des esprits que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas. Mais vous, vous voyez des êtres humains. Vous pouvez toucher, effectivement. Mais ce n'est pas contre ceux-là que tu combats. Alors, si je combats contre les esprits méchants et qu'ils ne sont pas sur la terre, mais dans les célestes, hein, il faudra que moi aussi je sois quelque part. Amen, amen. Ah oui. Amen. Donc, je ne vais pas être là, mais il faut que je sois aussi là. Amen. Voilà pourquoi les saints ont dit, il faut qu'on soit spirituel. On parle du l'homme spirituel, pas l'homme charnel. Il faut que l'homme spirituel, là, grandissent davantage, qu'il ait beaucoup... Ah oui, s'il grandit effectivement, mais il vous transporte même plus haut que cela. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur vous montre même les tactiques de l'ennemi. Vous dormez, mais le Seigneur vous montre les choses. Vous marchez, mais le Seigneur vous montre. Vous passez quelque part, vous sentez une mauvaise présence. C'est-à-dire que les démons sont là. Ils étaient cachés dans quelque part, dans quelqu'un, mais là, vous le sentez. Ah, vous prenez autorité, oui, bien sûr. Parce que si tu es charnel continuellement, tu peux même pas sentir, ils sont là, mais tu ne les vois même pas. Mais quand tu es
spirituel. Tu es constamment dans la présence de Dieu. Tu passes quelque part, tu fais bouger l'endroit où tu passes. Parce que pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que quand tu avances, les anges avancent avec toi. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Et il va te parler, il va te faire sentir que ne reste pas trop longtemps à cet endroit. Mais c'est sûr et certain. Parce que vous êtes quoi? Vous êtes spirituel, pas charnel. Parce que quand on est charnel, on n'a pas les oreilles spirituelles. On reste toujours dans la chair, effectivement. Et on combat avec un frère comme ça, en tapant comme ça. Mais en fait, ce n'est pas les frères qui tapent. C'est les démons que tu dois arriver à pouvoir. Mais il te fait bouger, il va utiliser la bouche de quelqu'un, et toi tu commences la personne. Non, mais non, 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 tu dois comprendre, c'est dit, non, non, c'est pas la personne. Alors tu prends position, effectivement, sur l'eau. On continue rapidement. Il dit non. Il dit, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas une seule, mais toutes les armes de Dieu. Parce que quand vous les avez, le diable ne sait plus par quel côté il peut venir pour pouvoir vous atteindre. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas l'homme qui est ici devant qui vous le dit, c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est Dieu qui le dit, donc c'est la vérité. Donc pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire, nous devons nous conformer à cela. Ça, c'est ce que notre Père nous dit à nous, pour que nous puissions avoir toujours les dessus sur l'adversaire. C'est pour ça qu'il nous a dit, mais tu seras toujours la tête et non la queue. Mais si tu ne te tiens pas là-dedans, ça sera toujours la queue, parce qu'il va toujours avoir les dessus. Pourquoi? Vous vous souvenez quand même pourquoi il a dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça te tient au-dessus. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien qu'on puisse mourir. Parce que notre chair ici a des combats, il nous fait faire des choses qu'on ne veut pas. Et on se sent bien, mais en fait, il nous trompe, mon frère. Il nous garde dans la défaite, effectivement, oui. Je prie que Dieu nous aide, effectivement, que nous puissions vraiment, que ces choses rentrent en nous, et nous puissions comprendre, comme je l'ai dit dès le départ, j'ai dit, vous devez savoir avec qui vous êtes en combat. Qui est donc votre adversaire? Je vous l'ai dit autrefois, j'ai dit, frère et soeur, pensez-vous vraiment que le diable va vous laisser vous aller dans l'enlèvement? Vraiment? Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention. Réveillez-vous, regardez-moi. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention, parce que parfois vous dormez. Je ne sais pas si vous avez prêté bien attention, frère et soeur. Satan, le diable, ce n'est pas ancien. Vous pensez qu'il combat tous les lesbiennes et les prostituées qui sont à l'extérieur, effectivement? Non, regardez-moi. Vous pensez qu'il combat tout cela? Mais alors maintenant, et vous pensez qu'il combat les soi-disant croyants? Alors qu'est-ce qu'il peut combattre? Donc, toute l'armée des démons. Réfléchissez un tout petit peu, frère. Parce que les autres, ils sont avec lui. Mais ils ne vont pas combattre. Mais ils vont combattre qui? Cette armée-là des démons, il va combattre qui? Et vous êtes là en train de dormir. Alléluia. Non, non, mais c'est contre les croyants, contre vous. Si Satan se déchaîne, mais c'est contre vous, parce que les autres, ils les ont. C'est pourquoi vous remarquerez très bien, vous avez souvent les somnolences, et si pas, vous n'avez pas quand vous voulez commencer à pouvoir prier, je dis, vous sentez de la lourdeur. Mais c'est lui qui vous combat. Bien sûr, vous devez, déjà, vous savez que la prière, ça va arriver, mais il vous combat, il vous met des choses à gauche, des choses à droite, de ceci et de cela, pour que toi, tu puisses pas réellement prendre ta position dans ce que tu dois être. Les catholiques, elles avaient marié, ils ne les combattent pas. Hein. Mais bien sûr que c'est vrai.
Il est allé le séjourner sur Maria, de Fatima, il a fait voir des choses inutiles. Mais oui, ils sont fait voir. Mais quand toi, tu veux maintenant prier au nom de Jésus, mais là, il va te combattre. Est-ce que vous savez, mais c'est l'adversaire de notre Seigneur. C'est pour ça, quand tu veux que Dieu te bénisse, c'est ça. Quand vous venez, vous faites chanter, chanter. Il ne faut pas être là comme des gens qui sont des timides et tout ça. Non, louez, louez. Dansez, dansez. Pour ceux qui ne peuvent pas, oh, ils sont, non. On doit louer Dieu dans la sincérité, chanter la gloire de Dieu, crier son nom, parler de lui, glorifier son nom. Oui, ça on doit, mon frère. Parce que c'est contre nous que les démons sont là. Mais quand nous chantons, nous prions sincèrement, nous chassons les démons, nous combattons les démons. Ils n'ont pas de terrain. Eh bien sûr que non. C'est pour ça, ne dormez pas. Même si tu es 30 minutes de louer, 30 minutes, mais avec ferveur, il dit, mais je te loue. Tu dis, tu es le plus beau, tu es le merveilleux, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, mon frère. Alléluia. Nous voulons être comme ça, mon frère. On ne s'occupe pas des autres. Mais c'est que c'est Jésus est pour moi. Je veux le chanter, mon frère. Ah, il est vivant et il fait de merveilles ici dans notre vie. Il est le grand conquérant. Hein? Nous devons témoigner au monde que Jésus vit. Et puisqu'il vit, nous vivons aussi. C'est pourquoi nous avons cru, nous croyons, nous chantons son nom. Nous parlons de lui. Frères et sœurs, ne vous occupez pas des autres, effectivement. Mais toi, agis selon la parole de Dieu. C'est comme cela que les démons s'enfuient. Vous pouvez remarquer, effectivement, pour que vous puissiez réaliser que c'est vrai, regardez très bien. Toute l'armée des Syriens, parce que c'était toujours Satan qui était avec cela, hein, toute l'armée des Syriens est venue contre qui ? Contre un seul homme. Parce que, oui, parce que le roi dit, on dit, mais le roi dit, mais il n'y a pas un trait parmi, mais quand toi tu penses, lorsque toi tu dis quelque chose, là-bas en Israël, il y a un homme, c'est un homme spirituel. Donc sur la terre, il y a un peuple là. Mais c'est vrai, ils sont sous la lumière, conduits par la lumière, mais c'est cela que Satan combat. Que ta lampe ne s'éteigne point. Il faut de l'huile. Que tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Vous êtes une armée de Dieu. Ah oui, sur la terre. C'est sur vous qu'il regarde. Parce que qui peut l'honorer sur la terre? Que Dieu te bénisse. C'est vrai? Qui peut chanter son nom sur la terre? Les autres ont des autres titres, effectivement, mais ils n'ont pas ces dieux, les vrais, parce qu'ils n'adorent pas les vrais dieux. Parce que ce que Satan veut, c'est qu'on n'adore pas les Jésus bibliques. Mais alors, toi, c'est toi qui les regardes. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Il dit, les autres m'ont rejeté. Mais toi, que vas-tu faire de moi? C'est pour ça que ta vie à toi, la mienne, elle est là pour servir ce Jésus. Que Dieu vous bénisse, lève-nous. Maître béni, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire vraiment merci. Nous ne vivons que pour toi, mon sauveur. Dans ces bas mondes où nous sommes, mon béni, mon Père Saint-Dieu, rien d'autre n'a plus de valeur que de pouvoir te servir, mon roi. Rien d'autre, mon béni, mon Père Saint-Dieu, ni la mort, Père Saint-Dieu, ni quoi que ce soit ne pourra plus jamais nous séparer de toi, mon roi. Nous avons décidé, Père Saint-Dieu, par ta grâce, mon roi, va te donner encore notre cœur, mon béni, mon Père Saint-Dieu, va te louer, te servir. Et en cet endroit, mon béni, mon Père Saint-Dieu, nous voulons vraiment te chanter, nous voulons vraiment entendre ta voix à toi, Seigneur Jésus.
Oh, que nos vies se conforment à toi, mon sauveur. Oui, nous voulons vraiment te célébrer encore davantage et vivre pour ta gloire. Et parce que tu es vraiment le merveilleux et bénémoine Père Saint-Dieu, nous croyons en toi. Nous te servirons davantage, mon roi. Parce que nous savons que toi, tu as vaincu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et que toi, avec toi, bénémoine Père Saint-Dieu, nous faisons exploits aussi, mon sauveur. La louange et l'honneur te reviennent encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Soutiens chacun de nous. Soutiens nos enfants, Seigneur Dieu. Nos petits-enfants, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nos frères et nos sœurs aussi, bénémoine Père Saint-Dieu. Ces lieux et ton endroit, toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. En cet endroit, nous ne servirons que toi, le Dieu de la Bible, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Le Jésus-Christ vivant. Oh, parce que tu vis, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous vivons également aussi, mon sauveur, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te servirons. Et davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Partout où nous irons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons laisser les parfums, Père Saint-Dieu, de ton nom à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Rien qu'à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Rien que toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Puisses-tu nous pardonner encore aujourd'hui, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons réformer nos voix. Père Saint-Dieu, que nos sentiments brillent encore davantage pour toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment avoir encore un amour profond pour toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour ta volonté à toi. Pour ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ce que toi, tu nous demandes, mon Seigneur. Nous voulons vraiment les faire avec empressement, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Ce que toi, tu attends de nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment les faire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Enlève la lourdeur dans notre cœur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Enlève tout ce qui est mauvais. La timidité, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La fausseté, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu veux que nous soyons vrais. Ah oui, Père Saint-Dieu, nous voulons être des vrais, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Louange et honneur à toi. Oh, que la vérité soit toujours dans notre cœur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci. Pour ce que tu es fait, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire dans notre vie et dans notre marche, mon sauveur bien-aimé. La gloire et l'honneur te reviennent. Nous célébrerons ton nom et nous chanterons ta gloire à toi. Béni soit ton Seigneur. Béni sois-tu encore aujourd'hui. Merci. Merci, Sauveur, parce que tu es vivant et nous te disons merci. Seigneur, viens-nous encore en aide, mon roi. Oh Dieu, vivifie encore ton peuple, mon Sauveur. Nous sommes vraiment à toi, le troupeau de ton pâturage. Comme tu as dit, rassemble-moi mes fidèles. Des fidèles à toi et ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, tu as dit, quel part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, mon roi? Seigneur, nous voulons vraiment demeurer fermement dans ce que toi tu nous as donné, Seigneur, Seigneur Dieu. Oh, que nous soyons n'importe où, mon bien-aimé Père Tissant, ton nom dans notre cœur, ton nom dans notre bouche, bien-aimé Père Tissant, et ton amour dans notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi, mon sauveur. Oh, sois béni. Soutiens véritablement ton peuple, mon roi. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu vois le combat et aussi la faiblesse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que Satan, les diables, l'ennemi, Seigneur, ton ennemi à toi, qui est aussi notre ennemi, Seigneur Jésus, il est tellement rusé, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Mais aide-nous, bien-aimé Père du Saint, afin que nous puissions vraiment avoir la grâce de ta part, Seigneur, pour que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu, voir que tu nous montres en réalité, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais tu nous as donné la grâce pour réellement savoir comment le vaincre, Père du Saint-Dieu, en demeurant véritablement dans ta parole à toi, en agissant conformément à ce que toi tu nous as dit. C'est là notre victoire, mon bien-aimé Seigneur. Oui, parce qu'il vient combattre ta parole à toi, mon bien-aimé Seigneur. Nous ne voulons pas sortir de là où tu nous as placés, Seigneur. Aide-nous, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, mon roi. S'il faut mourir, nous mourons pour toi, dans ta parole à toi, dans l'évangile saint, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, dans l'évangile perturbissant, dans ta parole à toi, la bonne nouvelle du royaume, c'est cela dans lequel nous nous tenons, Seigneur. Viens-nous en aide. Soutiens-nous et fortifie-nous encore, mon sauveur. Louange et honneur à toi. Pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce et tes compassions, Seigneur, nous te donnons nos cœurs et notre âme aussi, Seigneur Jésus. Merci, nous sommes à toi, oui Père, et nous te servirons, peu nous importe, mon bien-aimé Père Dieu. Nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire, mon sauveur. Et si nous demeurons dans ce que toi, tu nous as déjà accordé la grâce de pouvoir avoir, merci pour la voie que tu as tracée, Seigneur. Et merci vraiment. Et
de faire fondre mon cœur. Je te dis merci. Merci encore, Père Dieu, pour ce que tu as accompli, mon roi. Seigneur, cela ne peut pas échouer. Ça ne faillira jamais, bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que tu as vraiment marqué, Père Saint-Dieu, d'un saut. Tu as scellé cela, Père Saint-Dieu. Loué soit ton Saint-Nom. À toi, donc, la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci encore en ce jour de grâce que tu nous as vraiment accordé. Seigneur, garde ton peuple sur le chemin de retour, mon roi, dans leur maison, dans leur demeure. Seigneur Jésus, quand ils arriveront, bénémoine Père Saint-Dieu, que la paix y soit. Oui, qu'ils vivent dans la paix, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu nous as laissé la paix, Seigneur. On ne peut pas, vous ne pouvez pas nous troubler, bénémoine Père Saint-Dieu. Quand le trouble vient, la paix vient, Père Saint-Dieu. Tu as dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans ton peuple, bénémoine Père Saint-Dieu. Dans leur maison, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La réussite aussi pour nos enfants, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Dans les études, le travail dans lequel ils sont, bénémoine Père Saint-Dieu. Que ceux qui sont sans travail, qu'ils reçoivent le travail. Seigneur, donne encore davantage, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance, avec confiance, encore dans ce temps. Nous restons simplement à la position dans laquelle tu nous as placés dans ta parole à toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Nous rendons gloire à ton nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous a consolés aussi ce soir. Nous t'aimons, nous t'aimerons toujours. Nous t'adorons toujours. Tu seras toujours l'objet de notre amour. Le Dieu que nous aimons, le Jésus de la Bible, mon roi. Alléluia! Gloire à toi, mon sauveur. Ah, tu es vraiment le plus beau parmi les milliers, mon Seigneur. Merci, notre Père. Merci, notre roi. Nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire. Avec un cœur sincère, mon roi. Avec la joie de notre âme, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, mon roi. Tu es digne, oui, de le recevoir de nos cœurs, de nos bouches, bénémoine, Père Saint-Dieu. De notre âme, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui, tu es digne, mon roi, de te chanter, dont ton nom doit être chanté, glorifié, mon souverain Père Saint-Dieu. Oui, ce nom, et ce nom qui brise le mur, bénémoine Père Saint-Dieu. Le nom qui chasse les démons, qui a vaincu Satan et son armée, mon bénémoine Père, au nom de Jésus-Christ, mon roi, sois béni, mon sauveur. Nous sommes heureux, Père Saint-Dieu, de pouvoir réellement porter avec reconnaissance ce nom, Père Saint-Dieu. De revêtir ton nom. Oui, Père. Nous étions dans le bas, nous a élevés dans le haut, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci, Sauveur. Béni soit ton Seigneur. Merci. Merci pour mon frère. Merci pour la réussite de mon frère. Merci pour la réussite de ma soeur. Pour la réussite de nos enfants. De chacun, Père Saint-Dieu. De ton peuple, mon roi. Mon merci parce que tu es roi, Seigneur. Dans nos épreuves, tu as toujours été là. Et tu ne nous as jamais abandonnés, Père Dieu. Merci. Merci. Oui. Sois béni. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Père. Tu as ouvert. Merci, Père. Davantage. Et nous sommes plus qu'heureux, Seigneur, de pouvoir t'avoir, toi le vainqueur de Golgotha, mon sauveur. Merci. C'est vrai, mon sauveur. Oui, mon roi. Merci, mon roi béni. Alléluia, dans nos cœurs. Amen. Merci, merci. Et tu sois béni. Et tu sois exalté. Glorifié, notre Père. Je te loue. Je te rends grâce et honneur, mon Sauveur. Louange à toi. Honneur à toi. Amen. Merci. Merci, Sauveur. Tu l'es, mon Seigneur. Tu es ce Dieu, mon Sauveur. Et nous te remercions. Et nous voulons vraiment te dire merci. Prends donc le contrôle et agis. Amen. Amen. Merci.
Merci, merci mon Père. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais, mon Sauveur. Merci pour tout, mon Sauveur. Il est bon d'être dans ta maison, Sauveur. Oui, là où ton peuple monte pour pouvoir te retrouver, pour te louer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci d'avoir conduit nos pas en ces lieux. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester chez nous à la maison. Nous voulons être dans ta maison à toi. Que ce merveilleux de monter dans ta maison, Seigneur. Et nous sommes heureux, Père. Et ensemble, nous pouvons te louer. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Garde ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Que ta main puissante et bénissante conduit. Que vraiment ta paix soit dans leur cœur. Que l'assurance et la victoire soient toujours préservées pour eux, bénémoine Père Saint-Dieu. Et qu'ils restent dans cette victoire, mon roi, tous les jours et tous les jours de leur vie, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue. C'est vrai, tu es le Jésus toujours présent dans notre vie, dans notre temps. Et pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu as dit que le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Nous, nous te voyons, Père, parce que tu es toujours avec nous et présent dans nos réunions, Seigneur. Présent dans nos rassemblements, mon Sauveur. C'est là où tu viens, Seigneur. Lorsque les apôtres étaient enfermés, tu es rentré là où ils étaient, Seigneur. Tu étais toujours présent. Merci, notre Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Consolés nous sommes parce que tu as vaincu. Mais tu veilles sur ta sémence à toi. Louange et honneur à toi. Console mon frère, console ma soeur, qu'il soit fortifié, que dans son épreuve, il a toujours la victoire, mon Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi. Merci pour ce que tu aimes. Merci pour ta bonté, mon Sauveur. Gloire et honneur à toi. Merci. Merci, Sauveur. Quand sur terre tout déçoit et tout semble vain, un ami dans ton effroi près de toi se tient. Seul Jésus t'aime. Seul Jésus t'aime. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus t'aime. Oh merci Sauveur. Merci Sauveur. Tout passera. Tout passera mon Sauveur. Mais tu resteras. Je t'aime mon Jésus. Louange et honneur à toi. Fortifie mon frère. Encourage ma soeur mon roi. Aide nos enfants mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À s'accrocher à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que sur la terre tout passera. Oh Jésus-Christ, nous sommes des étrangers, nous sommes venus étant des étrangers, des voyageurs, des passagers, Seigneur. Ici sur la terre, rien ne demeure, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi de ce que tu nous as accordé, vraiment cette grâce, ce privilège de te connaître. Aide mon frère. Aide ma soeur, mon roi, relève, Père puissant, le faible. Fortifie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour nos enfants qui, à leur âge, Père puissant, même après l'école, ils sont là dans ta maison à toi, Seigneur. Je t'en supplie, je te remercie, mon Sauveur, pour cela, Père Saint-Dieu. Nos jeunes filles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, malgré la condition, la pression de l'extérieur, mon roi, contre vents et marées, les combats, Père Saint-Dieu, mais ils sont toujours là aussi, Père Dieu. Oh, merci, Sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais pour chaque frère et pour chaque soeur, mon roi. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Merci. Merci.
Merci vraiment, Père Dieu, pour la paix que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci aussi pour la certitude, mon roi. Nous sommes ton peuple, tes soldats à toi, mon bien-aimé Père. Dis seulement un mot, Seigneur. Nous agirons comme toi, tu l'es dit, mon sauveur. Nous sommes à toi. Nous sommes ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce que tu dis, c'est aussi notre ordre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous obéirons à ta voix, Seigneur. Nous te servirons, Seigneur, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous voulons te suivre. Merci, sauveur. Tu as frayé un chemin et tu nous as placés dans ce chemin. C'est vrai. Nous voulons te suivre, Père. S'il faut mourir, s'il faut vivre, c'est toi le seul objectif de notre vie, Seigneur Jésus. Toute autre chose n'a plus de valeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi. Oui, c'est toi. Nous vivrons pour toi et nous mourrons pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Paix nous importe. Merci, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour cette grâce. Et tu as dit, même si on traverse le feu, la flamme nous embrasera point. Même dans les eaux ne nous submergeront point, Seigneur Jésus. Nous marcherons pour ta gloire, mon bien-aimé Père. Garde nos enfants dans les combats, dans les épreuves, dans les difficultés, Seigneur. Relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et délivre. Et accorde les soutiens et les secours, mon roi. Oh Dieu, ôte ce qui n'est pas ta gloire, mon bien-aimé. Parce que les choses de ce monde ne peuvent jamais nous amener à pouvoir, Père Saint-Dieu, atteindre l'objectif, mon sauveur. Nous voulons nous dépouiller totalement, Père. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta consolation. Merci aussi pour ta restauration. Merci aussi pour ta délivrance. Merci aussi pour ta guérison, Seigneur. Fortifie mon frère qui est faible dans son corps. Fortifie ma soeur qui est aussi faible, nos enfants, nos bébés, nos petits-enfants. Seigneur, qu'ils soient fortifiés, que leur cœur soit attaché à toi, que jamais Satan ne trouve une issue, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais que toi seul tu puisses encore les environner, Père Dieu, par derrière et par devant, dans leur intérieur, leur âme, leur esprit, Seigneur, scellés et gardés par toi, mon sauveur. Merci. Béni soit ton Saint-Nom. Louange et honneur à toi. Dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi glorifié et remercié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux. Je suis dans la joie de voir notre précieux frère qui nous est revenu, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse richement, mon frère à moi. Ah là là, quel bonheur de pouvoir le voir. Que le Seigneur te bénisse. Il nous a beaucoup manqué. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Viens, mon précieux frère. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui a vaincu à la droite de Dieu. Je vais te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour toi. Je t'adore, car tu es digne de louange. Ton Père est non glorieux au-dessus de tout nom. Si la terre est à notre Dieu, dans les cieux, la terre